Alors que la contrée sort de sa profonde obscurité, nos pauvres abonnés villageois s'aventurent dans les collines alentour, à la recherche de précieuses ressources. Ils les trouvent autant libres dans la nature que sur les animaux sauvages et rodents. Alors que l'espoir renaît ainsi, le fantôme d'un pendu apparaît dans le village et jette une malédiction de difformité sur deux de nos anciens Apollons, Lupidos et Dacuzzi. Nos deux amis devront-ils vivre ainsi, sans femme ni enfant, jusqu'à la fin de leur vie? Vous le découvrirez en voyant cet épisode. Allo, bonjour tout le monde, c'est Yoda5477 de retour avec notre village YouTube It sur Zea, The Awakening. Donc, on s'était laissé à la fin de l'épisode 2 avec tout le monde, il me semble. On avait nos récolteurs ici dans un joli petit camp sympathique et on avait notre village ici. Ok, on est à l'aube du jour. On avait une quête ici à faire. Voilà, on avait la quête du pendu qui était à faire par ici. Et on avait par ici 8 tours à attendre afin de récolter beaucoup de ficelles et des herbes. Ok, eh ben on y va. On fait passer les tours. Et on se fait attaquer par des corbeaux. Super. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est l'expédition qui se fait attaquer par des corbeaux. Alors, lui, il a le truc spécial. Tac, tac, on va, de toute façon, on va accepter. On n'a pas de quoi se permettre de perdre une carte. 5 corbeaux. Ah, donc déjà, ils commencent par en jouer 2, déjà. Ils en jouent 2 pour un total de 6 points de dégâts. Donc, est-ce que j'ai du first action? J'ai un first action ici. Et j'en ai un deuxième ici. Celui-là pourra pas servir parce qu'il est que de niveau 2, alors que mes cartes sont de niveau 3, 6 et 6. Donc ce first action là ne sert à rien. Par contre là j'ai un protect ally qui va faire que potentiellement j'ai beaucoup de défense. Alors réfléchissons. Je vais avoir. Donc on va jouer d'abord lui. Tac. Et après on va pouvoir sûrement se faire un Mist. Donc on va jouer Alperen en premier, Mr. Shunchi en deuxième. Avec une possibilité de placer Mr. Shunchi en premier. Shunchi, j'adore le graphisme. Ah, ça me fait rire, excusez-moi. Bon alors donc là pour l'instant il m'attaque, je l'attaque, il m'attaque, je l'attaque. Il en a encore deux à placer. On va peut-être placer simplement un Fabien Massetti ici. Ou alors est-ce que je fais un counter tactique ou un Confuse? Confuse ça pourrait être pratique aussi. Non, on va peut-être juste faire un Fabien Massetti pour l'instant. Et lui, il ne pourra rien faire d'autre que Confuse. On va faire un Confuse pour que lui puisse pas attaquer. On va passer le tour. Je vais faire mes first action en dernier, en fait, si possible. Lui, il le pose. Ok. On va garder ce first action-là pour la fin. Et donc là, on va faire un Protect Ally. Ou un first action, non. Donc là, il en a 3. Il en a que 2 qui vont attaquer le premier tour. Donc j'en ai que 2 à tuer. On va faire un Protect Ally. Ça ne mange pas de pain. Fabien City a une meilleure défense comme ça. On va attendre. Je veux pas qu'il me fasse un first action sur, avec cette carte là. Ok, c'est bon. Il me l'a pas fait. Du coup, maintenant je fais le first action de mon côté. Hop, je passe en premier. Et du coup, je tue, je tue, je tue, je rejoue, je tue et c'est fini. Allez hop, les corbeaux, gérés. Donc Fabien City tue le premier corbeau. Alperen le deuxième. Mr. Shunchi le troisième. Deuxième tour. Et on s'est reparti. Fabien en tue le premier et Alperen le deuxième. Hop, et on a gagné. Bon, ça va, pour l'instant, ces combats-là sont pas trop compliqués. On a gagné de la viande, très bien. Alors, on a gagné un point de... Voilà, donc là, regardez, on a produit notre arme. Ici, et ça nous a donné des points de science, en fait. Et du coup, on va pouvoir choisir une nouvelle science. Alors, nouvelle science, on va se prendre les Warhammer, parce que c'est trop puissant, les Warhammer. Hop, voilà. Et on va du coup aller se crafter. On va voir si on peut pas se crafter un petit Warhammer. Alors, Warhammer, c'est là. Ah, j'ai que du bois. Ah, donc j'ai un problème, j'ai pas de métal. Il va vraiment falloir que je trouve du métal. Ah, c'est là que j'ai fait une erreur, vous voyez. J'aurais dû... si j'avais choisi... Alors là, c'est une erreur. J'aurais dû, par ici, choisir du métal. Par exemple, du silver. Ou du steel. Ça m'aurait donné du steel et ça m'aurait révélé des endroits où je pouvais en trouver, en fait. Donc là, je ne l'ai pas fait. Et malheureusement, sur ma carte, j'ai pour l'instant trouvé aucun endroit avec du métal. Donc c'est une erreur.
On va quand même aller sur le village pour donner l'arme à quelqu'un. Parce que maintenant qu'on a une arme ici qui fait 4 damage au lieu du 1. Donc typiquement toi ton os il fait 2 de blunt. Ok, d'accusi il fait 1 de blunt. On te donne l'arme là. Hop, là tu fais 4 au lieu de... Donc c'est beaucoup mieux déjà. Tu fais 4. Hop, impeccable. Et puis là bah du coup on va devoir accélérer. Hop. Alors, c'est quoi ça? Ah, on a gagné un villageois. Bonne nouvelle. Qu'on va pouvoir... Ah, qu'on peut pas renommer dans cet écran-là. Ok. Donc, on l'a gagné a priori au village. Hop. Et alors, on va voir tout de suite. Je ressors ma liste pour savoir comment il va s'appeler. Alors, tac, tac. On en est à combien? On en avait... Alors attendez, faut que je vérifie qui était le dernier à avoir été nommé. Donc on avait Titrax Lupidos. Ça c'était les premiers. Et sur l'expédition, on avait qui? On est allé jusqu'à Josgag, Arbiter, Mr. Shunchi. Donc ça fait 6 et 4. Ça fait 10. Et donc dans ma liste, le 11 est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est donc Monsieur Antoine GTA qui va nous rejoindre. C'est bizarre, c'est Antoine GTA, ça me dit quelque chose, mais peut-être pas. Enfin, je veux dire, je pensais l'avoir déjà nommé quelqu'un Antoine GTA, mais je vois pas, donc j'ai dû me tromper. Hop, CTRL V, hop, j'ai fait ça deux fois. Antoine GTA. On va séparer parce que je pense que ça doit être comme ça. Du célèbre jeu du même nom. Voilà, Antoine GTA, tu nous as rejoint et donc tu es un gazereur. Et alors là, tu as une arme qui fait 5 damage, qui est pas mal, on va te la laisser parce qu'on n'a pas mieux à proposer pour l'instant. Et par contre, on va te faire récolter des choses du coup. Alors, une nouvelle tâche de gazeur. On a du bois, on a des légumes, on va faire des légumes parce qu'on a déjà 2 de bois. Oh, en plus, tu récoltes pas mal toi. Tu as 9 en récolte, ça c'est très très bien. On va peut-être te mettre dans une expédition d'ailleurs. Allez réfléchir. Est-ce que je peux me faire une deuxième pasture? Il faut quoi pour les pastures? Il me faut du bois. Ouais, on va faire ça en fait. On va se faire une deuxième pasture pour avoir plus de viande. Voilà. Tac, qu'on ferme. De toute façon, ta cousine, t'as rien d'autre à faire en fait. On va en faire deux même. Je pense qu'on peut en faire deux tranquillement. Voilà, on va se faire deux pastures. Ça va être très bien ça. Donc voilà, tac, tac, ça on a réglé. On passe le tour suivant. Oh là là, c'est quoi ça? On est la nuit et là, on a des bestioles. C'est des chauves-souris qui se baladent. Je pense qu'à 5, on va pouvoir gérer les 5 chauves-souris. J'espère. On va voir. Ah, ils nous attaquent. Ils nous attaquent. C'est parti. De toute façon, j'aurais pas eu le temps de revenir. Donc là, on est à 5. On a une masse ici en premier, donc ça, c'est pas mal. Dommage que la deuxième masse soit là. Mais on a un first action ici, protect ally, on a une grosse... Celui-là, c'est... Ah oui, c'est l'arme de ouf qu'il a, lui. Donc on va essayer de jouer comme ça. Alors, c'est parti. Donc lui, ouais, donc c'est des petites chauves-souris dans rien du tout. Donc ce que je vais vouloir, c'est me mettre lui et de me le mettre en premier ensuite. Sauf que... Ah, il est niveau 6. Zut, first action, j'ai que niveau 5. J'ai que niveau 5, donc ça veut dire que je vais vouloir mettre lui. Voilà, on va voir comment ça se passe. Lui, il a déjà 2 de protection, donc il va pas se prendre les premiers dégâts, lui feront pas vraiment mal. Il m'en met 2 comme ça. Ah là là. First action. Donc là, j'aurais pu faire un first action sur lui, mais ça me permettra de tuer que celui-là et il en restera 2 encore. Ou alors je fais un Protect Ally. Ouais, je peux faire ça. Je fais un Protect Ally pour le protéger. Pour qu'il puisse se prendre. Là, il peut se prendre tous les points de dégâts de tout le monde sans broncher en fait. Donc lui, il va nous mettre. Ok, il nous en met 2 encore. Et non, il est agressif. Hein. Il y va agressif là. Donc on va mettre Dacuzzi avec son marteau. Qui normalement a 2 points de dégâts, 2 points de protection. Donc ces deux-là, ils font pas très mal. On va mettre Lupidos aussi. Et on va peut-être se faire un first action ici. Voilà, histoire d'essayer de taper en premier. Ça changera pas grand chose a priori. On va voir comment ça se passe. Je pense que ça devrait se passer comme il faut. Donc là, on le tue. Antoine rentre dans le jeu en tuant une chauve-souris. Lui, il m'attaque, mais
D'accord, il avait la protection, donc ça pose pas de problème. Et il tape avec son marteau, il va en tuer deux. Voilà, et on passe au deuxième tour. Et la Lupidos va finir la dernière. Et voilà, on est bon. Impeccable, bravo les gars. Vous avez gagné. Donc on gagne un peu d'expérience. Oh là, maintenant on a 5 rats. Alors ça, c'est qui nous attaque? On l'a pas vu arriver. Ah, ça c'est l'expédition. Bon, expédition, à mon avis, les 5 rats, on va se les faire, mais tranquillement. Sans le sentir. Ah, il nous en met deux là quand même. Alors, j'ai un first action à 7. Avec un marteau ici à 2. J'ai un first action à 2. Ok, donc on va se faire. Alors, on va peut-être le faire à la fin ça. On va le faire à la fin. Ce qu'on va commencer par faire, c'est se mettre Fabien ici. Voilà. Et toi, à quoi tu vas servir toi? T'as un first action à 7 aussi. Ce qui peut être sympathique, hein. Et on va se mettre Mr. Shunchi. Allez, Mr. Shunchi et Fabien, vous êtes en place. On va voir ce que font les rats. Donc les rats, ils en jouent un autre. On voudrait plutôt jouer ça en dernier. Là, il y a un Get Confused, on va faire ça. Hop. Ici, un First Action. Ça va être ma fin. Counter Tactique, Support Ally. Ah oui, c'est ça qu'on pourrait faire. On va mettre Joss Gag. Et coup d'après, je fais un support à like pour augmenter ses points de dégâts. Encore que c'est pas vraiment nécessaire. Bon, on va voir. On va voir ce qu'il va jouer avec ses cartes. Est-ce qu'il va placer quelqu'un devant? Il place juste des rats en plus, mais ça sert à rien. Ok, c'est ce que je voulais qu'il fasse. Impeccable. Donc on va faire un quoi? On va faire un support à like. Ou on va faire juste un first action. Hop, tu places devant. Et on va faire un deuxième first action, comme ça on place Mr. Shenchi en premier. Bon, a priori on va les massacrer, hein. Pas de problème, Mr. Shenchi va, avec ses 17 points de dégâts, 19 points de dégâts, il va laminer le rat. Lui, Joss Gag va en tuer deux avec son marteau. Fabien va finir le dernier. On va passer au deuxième tour pour finir la carte qui était posée en haut, de soutien. Hop, et voilà. Donc c'est fini, plus de rats. Donc, pour l'instant, toutes les petits monstres comme ça, on y arrive, hein. C'est pas mal. Alors le rat, ça nous donne du cuir et de la viande. Alors, ah, ça y est, on a. Alors, il y a une de mes personnes qui a un talent particulier pour, comment dire, pour l'apprentissage des autres. Apprendre aux autres. Et donc, on va leur apprendre le langage. Et donc, là, on a Antoine de Théa qui vient de gagner en conversation. Très bien. Donc, ça, pour tout ce qui est défis sociaux, des fois, on peut convaincre les autres de nous donner des choses. Ça nous donnera un avantage non négligeable. Donc, on va continuer à passer le temps. On a à nouveau des chauves-souris par ici. Qui sont combien? Ah non, pas les chauves-souris, pardon, les corbeaux. Ils sont posés par terre. Les graphines sont jolies quand même, hein. On a les corbeaux qui sont là. Impeccable. On va peut-être se mettre en vision comme ça. Et on va laisser passer le tour. On va voir. Oh là, il y a des abeilles aussi. Oh là là. Alors là, on a un enfant qui est devenu un jeune adulte. Alors, et là, on a une option spéciale pour qu'il puisse devenir médic. Je pense que je sais pas pourquoi j'ai ça. Quand c'est bleu comme ça, c'est qu'il y a une option qui est pas là de base et qu'il y a quelque chose de spécial qui fait que vous l'avez en fait. Bah donc, on va le faire devenir médic. C'est très très bien médic. Et on célèbre le rite de passage qui inclut dans notre cas. Le rite de passage, ça inclut quelque chose qui est de déterminer ton nom. Ah bah ça tombe bien. Ça va vous parler. Merci d'accueillir Mr. Paul, le médecin. Je pense pas que tu étais médecin dans Rimworld, toi. Médic, c'est la première fois que j'ai un médic, hein. Donc ça va permettre d'éviter de mourir, ce qui est plutôt pas mal dans l'absolu. Un blunt damage, donc toi on va te mettre une masse, hein. Je suis désolé, j'ai pas grand chose d'autre à te proposer pour l'instant. Et on va voir si on peut te donner quelque chose à faire. Typiquement un gazer, est-ce qu'on peut te faire un gazer? T'es quoi? T'as deux, voilà, t'as deux en récolte, un peu de bois, ça mange pas de pain, c'est toujours utile le bois. Voilà, récolte-moi du bois en attendant qu'on ait des choses à crafter. D'ailleurs en termes de craft, j'ai toujours pas grand chose à mon avis, hein. Gathering tool, je peux pas. Ah, j'ai un peu de cuir, mais pas assez. J'ai un peu de ficelle. Mais rien de très utile. Je manque énormément de matériaux en fait.
Alors, on a changé de niveau. Arbiter, t'as gagné 2 en parole. En conversation, Just Gag, 1 en santé, Mr. Shunchi, 2 en parole, Fabien, 1 en intelligence, Dengenki, 1 en volonté et Alperen, 1 en force. Bravo, félicitations les gars. Ça, c'était notre expédition. Et au village, Titrax, 1 en force. Titrax, il fait de la muscu. Lupidos, 1 en santé, Antoine de T1, 1 en volonté, Mr. Paul, 2 en divination. Ah, ça, c'est rare. Ça, c'est bien. C'est parce qu'il doit être médic qu'il a des choses, c'est pas les choses que les autres. Dacuzzi, en dextérité et Jaconil, 2 en santé. Donc très très bien, on a deux monstres qu'on a repérés et on a fini de produire notre truc à animaux là, à chevaux. Du coup, en termes de crafting, on n'a plus grand chose. Ce qu'on va essayer, c'est qu'on peut peut-être se crafter de la nourriture. Voilà, on peut cuire des choses, on a pas mal de viande, on a pas mal de légumes et on a du bois. Et donc on va pouvoir se faire du meat stew. Et je pense qu'on va le faire à l'infini pour l'instant, en attendant que... pourquoi lui il est marqué comme étant en train de faire quelque chose? Ah, peut-être parce que j'avais fait construire. Je lui en ai fait construire deux de ça. Bon, on va annuler. On a déjà deux pastures. C'est déjà pas mal. On va lui faire crafter des repas un peu. Ça va être pas mal aussi ça. Ok, donc ça c'est bon, 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 ça c'est bon. Ok, on continue. On se fait attaquer par les corbeaux, c'est parti, combat d'après, donc là on va le... Ah alors attendez, ah on a Mr. Paul qui est là aussi maintenant, avec sa masse, mais qui fait que 3 points de dégâts. On va y aller, keep and play, en espérant que ce soit des corbeaux faciles. Ah on joue en premier, bah donc on va mettre Dacuzzi en premier avec ses deux marteaux. En espérant que les corbeaux ils jouent après, je pense que les corbeaux jouent après, ouais c'est bon. Donc là déjà celui-là il est mort, ah il en a joué qu'un en plus. Bah impeccable. Est-ce qu'on a un... On a des protect à l'ail, on n'a pas beaucoup, on a des first action. Bon, on va jouer le marteau ici, ou marteau, non, on va jouer Antoine. Antoine avec son 10 d'attaque, là c'est plutôt pas mal. Et on va jouer Mr. Paul aussi, hein, tant qu'on y est. Hop, là a priori, on devrait leur faire mal. Juste, j'ai peur que Mr. Paul il est pas assez pour finir un corbeau en entier en fait. Ah, il aurait pu finir celui-là. Ah, peut-être, attendez. Lui il va tuer lui plus lui, ça fait 9, c'est pile poil. Lui il va tuer lui, ouais, donc lui il va taper sur le prochain. On peut faire des counter tactiques maintenant. Ça peut être bien ça. Counter tactique, hop, on lui élimine une carte. Voilà. Un petit first action pour lui. Ça sert à rien pour l'instant. Protect ally, first action, ça sert à rien non plus. On va lui mettre une protection. Allez. Ah non, je peux plus jouer, pardon. Alors, on va attendre qu'il joue sa dernière carte, qui va être un corbeau normal, qui a que 3 de vie. Ah bah, c'est très bien, donc lui, il va pouvoir tuer lui. Donc, tac, tac, tac. En fait, j'ai fini, là. Donc, on va faire un Protect Ally, là, et puis on va faire un... Allez, un Get Closer, parce que Titrax, il veut aller un peu sur le champ de bataille. C'est parti, mais même s'il n'aura pas l'occasion de taper, je pense. Donc là, Dacuzzi tue le premier. Fini le deuxième. Antoine, tu suis là. Et je pense que Mr. Paul va finir le dernier. On passe à la deuxième phase pour finir le support et bing le voilà. Bon, pour l'instant ça va, on voit que la déesse Lada, pardon, Lada est en train de nous aider. Donc là on a trois monstres. Oh là, c'est quoi ça? Ouah là 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 là! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez, là il y a quoi? Il y a des sangliers. Et là, il y a des loups. Aïe, 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 aïe. Ok, là, ça risque de commencer à être un peu chaud. Ils sont combien les loups? Ils sont 4. Là, ils sont 2. On est à combien de... Ah, c'est le dernier tour. J'hésite, j'hésite. D'un autre côté, je suis entouré, quoi. On va essayer de... Allez, on va tenter un tour de plus pour finir. Parce que sinon, il y a plein de gens qui auront essayé de récolter pour rien. Il s'est rien passé. On est la journée. On a plus de chances que... Voilà, donc eux, ils ont fini. La journée, on a moins de chances qu'ils attaquent. On va essayer de se déplacer, se rapprocher du village. Par là. Oh non! Non, arrête! Attends! Aïe, aïe, aïe! Attends,
C'est moi qui ai attaqué, donc je peux encore m'échapper. J'ai pas vu ce que c'était. On a quoi là? On a des abeilles, des rats, et ça c'est quoi? Ah, et des corbeaux. Mais on est blindé de monstres ici. C'est hallucinant, on va se faire attaquer par tout ça d'un coup. Oh là là, alors là ça y est, bon, c'est peut-être la fin. Déjà. Bon, on va voir, on passe le tour. Donc là pour l'instant c'est la journée, heureusement. Alors, les abeilles m'attaquent quand même. Elle m'attaque. Les abeilles, je pense qu'on va réussir à se débrouiller. Alors, le problème des abeilles, c'est qu'elles jouent avant moi. Ouais, c'est ça. J'ai un first action à niveau 3 là. Donc, lui, je vais pouvoir le mettre en premier à la fin. Donc, on va commencer par jouer ceux qu'on va devoir mettre au début. Voilà, on va mettre ces deux là. Donc, ensuite, lui va jouer. Il n'y en a plus qu'un qui peut jouer vraiment. Voilà, comme ça. Ok. Donc ensuite, je vais devoir me faire un Confuse. First action niveau 3, ça c'était bien. Protect Ally. On va faire un Confuse sur celui-là. Donc comme ça, il ne jouera pas au premier tour. Donc il n'y aura que deux abeilles qui joueront au premier tour déjà. On va jouer Josgag à la fin. Voilà. Donc là, il va jouer support. A priori, il va les placer parce que ça lui sert à rien de placer des gens devant. Il est déjà devant. Donc on va faire un Protect Ally au cas où, pour lui donner une sécurité. Et on va la mettre devant, First Action. Ah, je peux pas la jouer, ok. Donc je vais la jouer en dernier. Donc là, il va la placer ici, forcément, parce qu'il ne se sent pas menacé. Et First Action. C'est un avantage de jouer en premier, mais c'est aussi un avantage de jouer en dernier, en fait. Donc là, voilà, Josgag, il va taper avec son marteau, bing. Ils vont tuer deux, normalement. Voilà, ça suffit. Et ben, les autres, on va les, voilà, on va leur mâcher dessus. Donc là, les abeilles, c'était bon, on a géré. J'aime bien le petit groupe là, les gars, vous êtes pas mal du tout. On a gagné, et comme d'habitude, on gagne un peu de résine. La question est, est-ce que quelqu'un d'autre va nous. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ah, ils ont plus de nourriture. Alors, ça, c'est très gênant de plus avoir de nourriture. Non, alors. Vous voyez, là, il veut me faire passer par les rats en fait. Il veut me faire passer par les rats. Parce que ça coûte moins cher. Mais malheureusement, je vais être obligé de passer par là. Je ne vais pas les attaquer tout de suite. On va tenter de venir jusqu'ici. Oh là là, on a des monstres dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a l'image d'une jolie femme en fleurs. Qui vient me voir dans un rêve éveillé. Alors, ça sent bon les fleurs, ça sent bon les agneaux, c'est ça? Ah, il y a des agneaux qui la suivent. Et voilà, et on voit qu'en gros, il y a la nature qui l'aime. Hein. Voilà. Et pourtant, elle a l'air d'avoir du désespoir dans les yeux. On va lui dire bonjour. Donc, elle veut pas me faire de mal, elle est perdue. Ah, elle est un dieu perdu. D'accord. Et elle s'appelait Zivia. Ok. Et donc. Donc elle me dit qu'elle va pas me faire de mal. Ok. Ok, donc qu'est-ce que vous faites ici? Donc elle dit qu'elle était un dieu, qu'elle n'est plus un dieu. Voilà. Ah, elle veut parler de mes blessures. Alors, elle peut pas offrir de me soigner. Avant, elle aurait pu, mais elle peut plus. Alors, en gros, elle peut me soigner, mais j'ai un risque d'être maudit. Ok, donc en gros, soit elle me soigne. Et j'ai une chance de devenir maudit. Soit j'essaie d'utiliser mes arts magiques pour me protéger contre la malédiction. Mais ça risque d'être encore pire. Mais j'ai pas besoin d'être soigné en fait. Je suis déjà très très bien. Ok, donc du coup elle s'en va. Bon là en fait ça me servait à rien parce que je suis pas encore endommagé en fait. J'ai pas de soucis donc. N'ayant pas de soucis, autant pas prendre de risques.
Alors par contre, alors ici voilà, on va prendre le steel parce que le steel c'est bien. Ça va nous permettre de crafter des Warhammer comme il faut. Donc là on a des monstres dans tous les sens, on les a vus. Ah, on a un coffre par là, tiens. Donc là on a eux qui ont plus de nourriture, ça c'est vraiment dommage. Il va falloir que je rentre assez vite. Et YouTube-it, on va crafter. Donc là on a des mines en train d'être craftées. On va arrêter ça. On va se crafter un Warhammer comme il faut. En métal. Ah ouais non, attendez. Alors, il faut que je mette du bois là et du métal en dessous. Ça me fait quoi? Docteur Medicus. 7 damage, blunt damage. C'est pas mal déjà. C'est clair que si je pouvais mettre du métal au-dessus, ce serait sûrement beaucoup mieux. Mais en attendant, on va confirmer. On va se faire ça quand même. Voilà, ça va prendre 3 tours. C'est une arme mieux que celle que j'ai pour l'instant. C'est pas idéal, mais c'est mieux que rien. C'est beaucoup mieux que rien. Voilà. Donc bon, je pense qu'on va arrêter l'épisode là-dessus. On est entouré, littéralement entouré de monstres. On les voit plus ici, mais il y a des monstres partout. Des animaux sauvages en fait, plus que des monstres. On survit tant bien que mal. On n'a plus de nourriture dans notre expédition. Ils ont quoi d'ailleurs? Ils ont récolté quoi? Ils ont récolté des herbes. Ah, c'est ça. Donc on n'a plus de nourriture, mais on a des herbes. Ah d'ailleurs, on a un arc ici. Ah, j'ai pas équipé. J'ai récolté des choses que j'ai pas équipées. J'ai un arc. C'est très bien ça, l'arc. Mister Shunshi, attendez, on va donner ça à qui? On n'a pas un guerrier, un vrai guerrier? Ah bah là, on a un hunter. Attends, il est où l'hunter? Voilà. Dayenki, ah t'as déjà un arc qui te fait 4 de range damage. Là c'est 5, on va donner ça. Et là on a une guerrière, on va lui donner le deuxième arc. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose qui sera pas équipée? Non, tout le reste est équipé. Très bien. Donc voilà, donc on a notre expédition qui est plutôt mal parce qu'elle a plus à manger. Heureusement, bon, elle va pas mourir en n'ayant pas mangé pendant quelques heures. Hein. Là, c'est on est en plein milieu de journée, ils peuvent tenir jusqu'au soir pour manger quand même. Eh hey, les gars, hein, c'est bon. Voilà, et on essaie de voir, on va en train de se fabriquer un Warhammer. On doit s'en fabriquer deux pour la quête, je pense, si je me souviens bien. Et on va voir pour essayer de, bah, de détruire tous les animaux sauvages qui traînent dans le coin là, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, sur ce, je vous retrouve dans l'épisode prochain. Ciao, ciao.